Avant de vous parler du fardier de Cugnot, je vais vous parler de l'éolipile d'Héron. Héron l'Ancien, un grec, qui, 140 ans avant l'ère chrétienne, a découvert la force de la vapeur et l'a démontré avec l'éolipile. Cet engin n'a pas été une machine proprement dite, on n'a jamais tiré de force motrice de cet engin, mais c'est la première fois qu'on s'est rendu compte de la force de la vapeur et qu'on l'a démontré. Je dis bien 120 ans, entre 120 et 140 ans avant l'ère chrétienne, à Alexandrie. Moi, je vais vous parler d'un maillon important dans l'évolution de la recherche en ce qui concerne la vapeur. Je vais vous parler du moulin de Giovanni Bronca qui a été fait en 1629. Avec cet engin, on a essayé de tirer pour la première fois de la force motrice, mais le faible couple n'a pas permis de pouvoir arriver à ce résultat. Cet appareil, on peut dire que cet appareil est une machine de démonstration encore. Alors voilà comment ça fonctionne, c'est le jet de vapeur qui va taper sur les aubes et faire tourner la roue. Avec cet engin, Giovanni Bronca avait essayé de faire marcher un bateau et il n'y est pas arrivé. Alors maintenant, on va préparer la lampe, on va préparer l'eau, on va préparer l'appareil de Giovanni Bronca pour faire une démonstration en principe probante. Là, je suis en train de mettre de l'alcool à 90 dans la lampe. Voilà. Alors on met un coton, on essuie pour ne pas mettre le feu, et le coton va servir de mèche. Le coton va pomper l'alcool qui est à l'intérieur de la lampe et va servir de mèche. Voilà. Alors la lampe, en principe, la lampe est prête. Alors maintenant, il va falloir mettre de l'eau à l'intérieur de la chaudière, qui en réalité, et c'est pas une chaudière, c'est juste un réservoir. On n'avait pas encore, on ne connaissait pas encore les chaudières tubulaires. Alors on va la remplir par l'orifice de sortie. Voilà ce qu'est la chaudière. C'est une chaudière qui est quand même faite exactement à l'ancienne, avec rivets, avec des goussets rivés. Et forgé à la... les tôles sont forgées à la main. Alors, on va mettre pas beaucoup d'eau, mais on va mettre un petit peu juste pour faire une démonstration. Ça ne va pas couler. Maintenant, je vais allumer la lampe. Voilà. Alors, je vais faire un petit peu d'ombre pour qu'on voit la flamme. On la voit. On va essayer de faire un essai. Et voilà. Et on voit bien que la vapeur agit sur les aubes de la roue et les fait tourner. Alors c'était déjà un progrès parce qu'on est arrivé à avoir un mouvement rotatif assez rapide. Voilà, et cet appareil a été fait en 1629 par Giovanni Bronca. Alors il y a aussi une astuce qui est assez ingénieuse, c'est que la vanne peut servir de soupape de sécurité pour mettre la vapeur de la chaudière en atmosphère si on voit que la chaudière dépasse la pression voulue. Il n'y a pas, il n'y a aucune vanne de sécurité, il n'y a aucune soupape de sûreté. Ça a été inventé beaucoup plus tard. Alors vous voyez, j'ai fait baisser la pression artificiellement et la roue tourne moins vite. Bon, alors cette fois-ci, je vais vous parler du fameux fardier de Cugnot. Alors, cet engin a été construit par Marie-Joseph Cugnot en 1771.
C'est un fardier qui était destiné à porter des canons d'artillerie, des gros canons de 12. C'est la première fois qu'on a roulé sur le sol avec un engin à vapeur. Cet engin a été construit en 3 exemplaires, un au tiers et 2 à l'échelle 1. Il nous en reste un aux Arts et Métiers à Paris, qui est donc 10 fois plus grand que celui-là. Celui-là est au 10e. Pour le faire, il n'a existé aucun plan. J'ai trouvé quelques lithographies d'époque. Et le reste de la documentation, il a fallu que j'aille la chercher à Paris. C'est-à-dire que je suis allé aux Arts et Métiers, j'ai pris des photos, j'ai fait des relevés pour avoir les codes principales. Bon, l'engin est fonctionnel. Il a eu une vie très courte parce que la chaudière ne permettait pas d'avoir un parcours continu. La chaudière est bien trop faible pour la puissance des cylindres. C'est un 2 cylindres à mono alternant, c'est-à-dire il ne fait pas tire-pousse comme une machine à vapeur ordinaire, il pousse seulement. Cet engin a une particularité, c'est l'encliquetage des roues qui lui permet d'avancer. Quand un cylindre pousse, l'autre revient à sa position de travail. Et là, je vais faire descendre le piston et on voit bien que l'engin avance. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et il avance. Et en même temps, en intervenant sur les cliquets, on peut changer le sens. Il peut marcher en avant, en arrière. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire à peu près sur le fardier de Cugnot. Voilà le système de direction qui est assez archaïque, mais qui est quand même monté sur des galets. Hein. C'est une crémaillère, un secteur denté. Voilà la clé de vapeur qui est assez astucieuse aussi. Dans la première position, on va se servir de l'entonnoir ici pour remplir la chaudière. En deuxième position, on laisse monter la pression. En troisième position, on envoie la pression sur les cylindres. Et si on juge que la pression devient trop importante du fait que l'engin n'a pas de soupape de sécurité, on peut remettre en atmosphère, c'est-à-dire que la vapeur va s'échapper et ne pas créer d'explosion. Il y a aussi les coffres à outils. Tout est fonctionnel sur cet engin. Voilà, les coffres à outils s'ouvrent. Le panier ici pour mettre le bois. On n'utilisait pas encore le charbon de terre. Voilà, c'est un engin qui est tout à fait curieux et c'est une des premières machines, c'est la première machine avec les machines de Jeanne Boite qu'on peut classer comme machine à vapeur vive. On n'est plus dans le cas d'une machine atmosphérique où c'est la pression atmosphérique qui fait le travail. Ici, c'est la vapeur même qui pousse le piston et qui assure l'énergie de la machine. Voilà, et ça a été fait en 1771.